ce que vous voyez derrière moi qui s'affiche sur l'écran, vous vous dites, tiens, c'est un ordinateur, c'est un PC. Eh bien, pas du tout, en fait, c'est le Galaxy S8, puisque l'accessoire qui est ici, qui s'appelle le DeX, va donc permettre de transformer le smartphone Galaxy S8 en véritable PC de travail. Comment ça fonctionne ? Bien, sur cette petite base, on pose le téléphone et il se connecte à n'importe quel écran d'ordinateur. On peut y raccorder n'importe quel clavier ou souris, non pas directement en Bluetooth. Il faudra, dans ce cas, si on veut utiliser des périphériques Bluetooth, passer par un dongle USB. Et ensuite, on va utiliser en fait une version d'Android qui a été un petit peu modifié, retravaillé, musclé par Samsung pour pouvoir s'afficher sur un grand écran. Et ça va nous permettre de gérer toutes nos applis. Par exemple, pour les professionnels qui ont à faire des présentations style PowerPoint et autres. L'intérêt de la chose, c'est qu'en plus, ça recharge votre smartphone. Ce qui est amusant, c'est de constater qu'il y a un ventilateur intégré sur ce petit dock, ce qui laisse penser que, eh bien, on va beaucoup solliciter le mobile pour pouvoir afficher tout cela sur l'écran. On espère que ça ne nuit pas aux performances en termes d'affichage. Il faudra vérifier ça lors des tests par le labo 01net. C'est amusant parce que ça nous rappelle cet accessoire, quelque chose qu'on avait déjà vu chez Nokia, rappelez-vous, chez Nokia Microsoft, ils avaient sorti pour l'un de leurs smartphones haut de gamme une sorte de hub qui permettait de le transformer en PC avec Windows pourtant, mais malgré ça, c'était pas terrible, terrible. Alors, est-ce que Samsung aura plus de chance avec son DeX adapté au Galaxy S8 ? On verra bien. C'est un accessoire qui coûtera environ 150 euros.